En fait, Marielle avait emmené de l'eau sale et on essayait de la laver. Pour laver l'eau sale, il faut mélanger de l'eau propre avec de l'eau sale et après faut mélanger. Idan, il avait secoué l'eau pour que l'eau soit propre. On a pas réussi à faire l'eau propre. Stella a mis de l'eau dans le bocal et puis Faustine après elle a pris une serviette pour nettoyer les saletés. On a réussi à enlever un petit peu les saletés. Et puis, on n'a pas réussi à enlever les petites saletés. On a mis du savon dans l'eau sale et peut-être que ça allait la rendre propre. Camélia, elle a mélangé. Et puis ça a fait des bulles de savon. On voulait faire de l'eau potable et ça a pas fonctionné. Bah Julie, il avait eu l'idée de faire avec un tuyau et l'eau elle était un petit peu plus propre. Et Marie, elle a montré toutes les saletés qui étaient restées. On a essayé d'enlever les saletés avec un tamis plastique. Et après, on a fait des petits trous pour pas que les petites saletés passent. J'ai essayé d'enlever les petites saletés, mais ça fait toujours de l'eau sale. Pas le droit de se toucher avec l'eau sale. On n'a pas réussi à faire de l'eau propre. On est parti voir la station d'épuration pour voir comment l'eau elle était bien nettoyée. On est sorti du bus, on a regardé un film, on est sorti, on a mis des casques et puis après on a été quelque part et on avait vu les grands bassins. Le grand monsieur, il avait pris une caméra pour regarder s'il y avait des saletés comme des lingettes qui bouchaient les tuyaux. Et avec la grille allait enlever les gros déchets. Le sable, il tombe au fond du bassin et il récupère. La graisse, elle remonte du bassin et après, il fasse en aller la graisse et l'eau, elle est propre après. Les bactéries, c'est des pattes toutes minuscules et elles mangent les saletés. Et la boue, elle est très liquide et après ils mettent un produit et les boues elles deviennent plus dures. Le camion prend la boue et après il les emmène dans un champ et après le tracteur sert à faire pousser les fleurs. Et bah les saletés et bah elles vont dans le camion et puis après elles vont à la déchetterie. L'eau sale, quand elle est très très sale, elle passe dans les tuyaux, elle va dans la station d'épuration et quand elle est propre, elle repasse dans le fleuve qui s'appelle le Loire. La Loire. On n'avait pas le droit de rentrer dans le laboratoire, alors après le monsieur nous montrait l'eau sale et l'eau propre. Il faut remettre l'eau propre dans la Loire. Pour que les petits poissons et les plantes soient contents. On n'a pas le droit de les boire.